Monsieur Étienne Taratib-Kabila, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci de nous avoir reçus dans votre bureau et de nous avoir accordé cette interview. Que dites-vous de la plainte que certains membres de votre famille portent contre celui qui se fait appeler Ibrahim Kabila? Bien, merci beaucoup pour cette question. Mais d'abord, j'aimerais lancer un message à Ibrahim, qui se protège. Qui se protège, car la machine de Joseph Hippolyte Kanembe tue. Les garçons tuent aussi facilement qu'on tue une insecte. Bon. Donc, avec votre autorisation, je préfère m'exprimer à Lingala pour la meilleure compréhension de nous tous. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez aussi bien les Lingala. Il n'y a pas de problème. Cela veut dire que Ibrahim, hein, il faut se protéger. Sans se protéger, tu as beaucoup faim. Mon point qui est touché pour le problème, il y a affiliation à Joseph. Donc, pas au Je sais que nous t'avons protégé à Zaté, mais il faut que lui-même d'abord prenne soin de lui. Puisque nous avons une plainte, nous avons une pour la plainte. La plainte, on a ça, il est à mon côté. Bah, au Kanga, été. Plainte des non recevables. Sauf à Kangi Ibrahim pour la plainte, ça veut dire qu'il n'y a pas d'état de droit. Faut que nous avons Ibrahim, comme j'avais dit dans la déclaration dans Galibousso. Nous avons eu une interview, nous avons eu une déclaration, nous avons eu un audio, parce que nous avons eu un audio. Il a cité mon nom, j'étais établi en Afrique du Sud, il y a Kimaki, Bonaboye, une histoire comme ça. C'est alors maintenant vous avez un renseignement, on a dit, mais Ibrahim, c'est qui? Je ne le connais pas. Peut-être qu'il était trop jeune, comme moi j'étais depuis en 2002. Alors, dans ce renseignement, auprès d'un membre de ma famille, que je compte taire leur nom pour des raisons évidentes, il signa, oui, c'est vrai, ce garçon a colis dans Lubumbashi et pas à Tante Kibawa. Il y a beaucoup d'amis d'ailleurs, mais bon. Vous comprenez? Parce que moi, je ne peux pas connaître tous les enfants de mon père. Il a fait beaucoup d'enfants. Mais là, le but Ibrahim, il faut se protéger. Parce que plein de temps, les gens non recevables. Donc, ça, il est à mon côté. Pourquoi ça non recevable? D'abord, il y a quatre personnes qui vont bâtir comme on a Bangouane. On va faire les procurations. Et pas à un certain Mugalu. D'abord, Batouana Bazan a monopole T à engager famille. Puis, famille est composée de quatre personnes. C'est déjà une firme minorité. Donc, bah, mais qui a corrigé, bah, tu as, il y a une politique quand même, mais qui a corrigé, kaka, quoi, ajuster tir na bango, parce que, au moins, il y a une plainte contre Pascal Mukuna. Oh, bah, fille, moi, ma qui obéit à ma petite fille, Laurent Désiré Kabila, les petits fils de Laurent Désiré Kabila, va porter plainte contre mon Alobaki, ils ont plein de temps, ils ont non recevable pour l'année, parce que, d'abord, ils ont mandaté. Alors, cette fois-ci, bah, que, bah, c'est une procuration. Avec beaucoup d'erreurs encore. Bah, ils ont mandat pour engager, s'engager famille, bah, ils ont une fille minorité, et puis, n'a pas comme on a bon, ça va au coma. Comme à l'Ibosso, bah, tiens, les frères cadets de Laurent Désiré Kabila. Dieudonné Kassongo Kabila. Dieudonné, c'est les demi-frères à Laurent Désiré Kabila. Sa mère, c'est la troisième femme de mon grand-père. Sa mère s'appelle Nyota. Dieudonné Kassongo. Kassongo. Dieudonné Kassongo. C'est ça son nom. Dieudonné Kassongo Kabwa et non Dieudonné Kassongo Kabila. Salut. Comment Kabila est où tu as pépé à Dieudonné? Il n'est pas Kabila. Aucun des frères de Laurent Désiré Kabila porte le nom de Kabila. Ni toutes ses sœurs, personne ne porte le nom de Kabila. Y compris leur père, notre grand-père, Désiré Talatiou, il n'était pas Kabila. Kabila, c'est la première personne à avoir le nom de Kabila dans sa famille. Bon, Tarasikona on a la procuration basale. Jeanne, la fille de mon père. Bah, commis bien. Jeanne, ma fille,
Moi, Batia Kabinete. J'ai tout, c'est Gertrude. Batia, j'ai tout, Omba, moi, mine. Et pour Batia Kabinete, la combat banana Kabinete. Parce que moi, dans mon côté, à Laurent Désiré Kabila, à quoi on a combat Kabila. Je mets tout le monde à défi. Personne, alors personne, à quoi on a combat Kabila dans notre famille. Après l'accession du pouvoir de Laurent Désiré Kabila, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous frère dit que Kabila avons dit que nous. Donc il a déjà faux dans le document que Dieu donne à son Kabila, c'est faux. Et puis, basant la monopole, tant qu'on est porté plainte au nom de la famille. Regardez un peu, on s'en va, ça va être distraction. Baso désorienter l'attention du peuple. Vous comprenez? Les lois, baso le basement, comme Bamou Kounaté, pour Bando attaquer Hippolyte Kanabe pour la nationalité. Baso le basement, comme Joseph T. Tout le monde tourne autour de Yanini, plainte contre Ibrahim. Oh, ce n'est pas l'enfant de Laurent Désiré Kabila. Autrement dit, on va désorienter un peu, attention à battre. Aujourd'hui, on va faire un DNA, donc ADN. Parce que Ibrahim a parlé de test ADN. Gare le bango, 2002, 2003, 2004, tout ça, la test d'ADN à Joseph. Et ça, j'ai maté. J'avais même insisté que Joseph, même sous les effets de torture, avec mon statut d'ADN, il connaît certains tous rwandais. A quoi ça l'angoté? Alors, sauf que vous avez insisté sur tout ça, ADN, ADN. Vous avez distrait le bateau. Bon, sauf que vous avez tout ça, les tests d'ADN. Donc, qu'on a, avec Joseph au pouvoir, il a un mot à dire dans le pouvoir à Congo. Mais il va corrompre tout le monde. Vous devez vous dire que le docteur ne soit pas un millionnaire. Il va corrompre tout le monde là-bas. Hein? Mais je suis sûr qu'il ne fera pas. À quoi ne va pas ça l'envoyer. Sauf qu'à ça, il y a encore un corrompre tout le monde. Il n'y a pas de garantie. Vous voyez? Non, mais à ça, il y a encore ça l'envoyer. Il y a désorienté. Attention à peuple. Vous voyez, il y a sa conférence de presse dans Sun City. Dans sa conférence de presse dans Kin, le 15 janvier 2002. Dans sa conférence le 16 avril. Nassan City, de la même année. Média et Rubi Makamunanga. Joseph Atindelanga, Francis Kalombo, pour te négocier, a corrompu un acte. Au même moment, Baké Sala filme documentaire. Pour contredire mes propos. Oh, tiens, n'est pas le fils de Kabila. Bon, va désorienter maintenant l'attention à la peuple. Non, ça comme tu as dit, Joseph a mon Kabila. Vous prouvez qu'il y a un fils à Kabila. Ce n'est pas disant que nous tiens à mon Kabila. Non, vous désorientez vraiment. Attention à peuple. Vous déroutez, vous évitez maintenant le débat. Le problème, c'est que Joseph, c'est le premier citoyen du pays. Vous comprenez ce que c'est? Il y a un président de la République. Ibrahim ne représente absolument rien dans le Congo. Etienne Kabila n'occupe aucune fonction dans la plus grande du Congo. Tandis que Joseph, il a été à la tête de notre pays pendant 18 ans. Le peuple a le droit de savoir de son identité. Le peuple a le droit de se poser des questions d'où il vient. Monsieur Barack Obama, une firme minorité d'Américains, Balouba Kaza Américain était. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait présenté son certificat de naissance. Parce qu'en États-Unis, c'est valable. Tout est computerisé, ma commission est organisée. Et par la vie, c'est ça, la fausse identité à Enango. On les a valables. Sauf que Joseph Azaï est congolais, fils de Laurent Désiré Kabila. Pour approuver ma population, ma congolais, qui voit je suis congolais, fils de Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? C'est simple. Simple. Au sein du test d'ADN, pour l'accent que tu es congolais. Mais vous comprenez que vous avez Kabila. Vous avez désorienté la population, attention. On a connu ça du temps de Mobutu. Mobutu faisait, les gens avaient un problème,
peuple congolais pendant comment on voit à bien ils font chaka chaka. Quand on commence à faire la publicité sur les fonds chaka chaka, population va vous s'en. Donc on vous détourne le concert, les fonds chaka vous allez offrir la star, vous êtes dans le Lubumbashi. Vous comprenez? Les mots à bien Jimmy Cliff, bâton mitou abanou qui a fait un livre Jimmy Cliff. Ils ont fait un bouddhiste, le peuple. Développe vos efforts au sale. Vous comprenez? Bâton tout le temps, vous en avez trois. Comment vous voulez faire quelque chose que vous savez qu'il y a quoi aboutir? Tout le monde s'en va, tout ça, c'est à dire, Joseph a un dimangote. Bouéli, paix, Joseph a un salangote. C'est une perte de temps. Vous comprenez? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, à mon humble avis, où sont les opposants? Où sont les députés de l'opposition? Où sont les juristes? Bon, ça la pétition. Bon, ça la pétition pour. Bon, on a Kabound, par exemple. Mais, pétition à Makambo et Joseph, il faut que tu fasses une pétition. Balouki, le Congolais, Kinshasa seulement, c'est près de 15 millions d'habitants, par estimation. Parce que tu as 4 millions, 5 millions de signatures. Que le Congolais va se réclamer, Baéba. Identité à Mouta de Réba pendant 18 ans. Et il continue à toucher 670 000 dollars par mois. Ah bon? Le président le plus riche du monde. Vous comprenez ce que c'est? Bon, vous vous foutez en vertu de quoi? Il faut un Congolais Bayeba. Et ça, à Congolais, Congolais. D'où il vient? Ça, c'est le droit des Congolais. Bah, c'est la pétition. Bah, tu vas signer. C'est alors que et pas qu'exiger Joseph face à la thèse d'ADN. Avant thèse d'ADN, comme Kim a déjà. Mais surtout devant d'accord Kim y a beaucoup quand il s'agit de notre thèse de la Fati, Fati Béton à Colongla Joseph, au moni Ibrahim Basel famille Cabrera sont basanés beaucoup basanés bloc bango nyoso des Joseph à Colongla. Rien, la famille Cabrera ne fera jamais bloc. Quand j'étais ma conférence de presse de Sun City, Balanda bande konanga va corrompre bango. Va faire ça bango bongo. Bah, non, c'est un film documentaire pour renier, pour me renier. Ils ont dit, tiens, tu es biété. Landa, dans les films documentaires de la Bangouane. Au Congo, on a Jean, au moins, Joseph, Aza, Yananga, il y a un bossé à Mobali, l'air, tu as dit, ah ouais, tu as dit, 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 tu Je prends tout le monde à défi. J'en ai mis sa photo. Il y avait ma passe. C'est ça. Joseph, il passe. Papa, Laurent, il y avait une photo. Que Joseph, il passe. Il y avait sa photo. Sauf que la photo, elle a tiré. La vie, Joseph a raison. Photo, elle a été. C'est faux. T'as la nez à Zoloba. Au moins, la gaz Zoloba sans conviction. Vous savez, tout ce qui se conçoit bien. Ça annonce bien. Élément pour le dire, nous viennent aisément à dire Boileau. T'as attendu à Zoloba, on comprend les Zoloba sans conviction. Nalanda, papa, mon Zoloba, oh voilà. On a été un peu ébiété. A outa, ceux qui papa, ceux qui comme moi, qui s'est dit Boué. Bah, qu'il n'est pas papa Wana, la famille Wana. Hein? Bah, y'en a bandé papa Wana. Oh, bah, le mieux papa Wana. Bah, y'en a. Bah, les sandés connaissent mon soir ébinga. Moi j'ai grandi à Kalemi. Famille à Malanga, je suis dans la Kalemi. Personne à Kalemi va te dire que voilà, c'est le fils des parents, des papas d'Étienne là. T'as quoi là sans papa? Vous comprenez? Vous êtes désorienté pour tout qu'il y a la pétition, vous avez la pétition, tout le monde a la Kanambe. C'est la seule voie aujourd'hui pacifique à la Kanambe. Félix ne fera absolument rien aussi longtemps que Joseph Azawana. Alors ça, de l'autre côté, si on ne fait pas cette pétition. Allez-y comprendre quelque chose. Bon, c'est compris. Pouvez-vous nous parler brièvement de Joseph Kabila? Joseph Hippolyte Kanambe, pas Joseph Kabila. Joseph Hippolyte Kanambe, fils de Christophe Kanambe et de Massene Katerede. Joseph a côté de la famille. Joseph Laurent Désiré Kabila.
Azana makina. Il y avait des Rwandais, il y avait des Burundais. Baza qui a problème avec le président de la Bango Kuna, Bakota na na Est Kuna. Bakubatama na Est. C'est là où il était dans les maquis. Entre autres, Kanambe, Ayaki Fekuna. Tous les pouvoir, c'était les Hutus. Alors, bah, outre tout ce qui maquit, bah, comme il n'a maquit, on se comprend. Alors, Kanambe était d'ailleurs, il était le chef d'état-major général. Il a travaillé avec Soumialo, après, il a travaillé avec Laurent Désiré Kabila. Maintenant, après dans 1983. Laurent Désiré Kabila a dit, qui sait, a dit, il défonce Massengo. Ça, c'était son meilleur ami. Ça, c'est ma mère qui me disait. Son meilleur ami de Kalemi, il défonce Massengo. A dit, Michel Okoma. Bah, qu'en a nord Katanga, quand ça la mission de sensibilisation, va recruter votre monde sous un groupe de Bango, pour il fallait attaquer Moba. Lena tini bango kuna, basoda bazayo kuna mbutu bakangaki, il défense Massengo na Monsieur Okoma. Babomi, il défense Massengo. Certains d'entre eux basoda bazayo babembe. Leba mon Michel Okoma, Baboma qui était, bakimisiye. Leba kimisi Michel Okoma. Loin de la vacance, il était à Koufali. Bakena bango, bakome na moba, basali attaque à moba 1984. Moba 1. Puis moba 2. Ils ont échoué. Bazo na Tanzanie. Donc, nazo va d'abord pour comprendre que si Fama yaza mama Joseph T. Donc, juste 1983, si Fama yaza mama c'est Michel Okoma. Nde mba yaza. Ou wazali na maki. Je répète bien, Michel Okoma. Nde mba yaza si Fama yaza. L'air à qui n'a qu'on a zonga qui souste 84 après, Laurent Désiré Kabila a traîné à Tanzanie. A traîné à Tunduma. Même si Laurent Désiré Kabila a voté en Tanzanie, moi, je suis en train de faire un combat Kabila. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Abana Obumbama. C'était un maquisard. A traîné à Tunduma. Tunduma est la frontière entre la Tanzanie et la Zambie. Dernière cité à Tanzanie, il va voter à Zambie. Ça s'appelle Tunduma. Laurent Désiré Kabila a traîné à Bistroana. Il y avait son jeune frère, son demi-frère aussi, Georges. Là, tout le monde l'appelait Mzemtoile. Tout le monde l'appelait Mzemtoile. Azaïna Kigoma, Tunduma, après qu'il Dar es Salaam. Mais avant ça, l'air Azaïna Kigoma, le président Mobutu, a tindaka batu na Tanzanie. Pour bakende corrompre, bakende bakende corrompre Kanambe. Avec mission, il y a quoi empoisonner Laurent Désiré Kabila. Yes. Maintenant, Deva PCM bon, comme c'était un soulard, a comme ça, la ambiance commence à parler trop. Information qu'on vient pas à Laurent Désiré Kabila. Ah bon? C'est le message du monsieur Oumangaï. Ok. Laurent Désiré Kabila, dans sa ruse aussi, a fait semblant. Avant d'y venir, a expliqué Bango, non, tous les sponsors, tous les gens à Congo, tu préparé ma troupe. Parce que tous les moutons, ça veut dire que avec tous les moyens possibles, tous les moyens nécessaires. Ok. Nous avons besoin de la Congo, de l'Est. Quand ils sont arrivés dans les maquis, l'on a préparé les troupes, 1, 2, 3, 4, avec le Kangamishinani Kanambe. Na troupe, na union, sur ma complice, na union, sur la plan, 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 sur la justice militaire, sur la plan, sur Mwani. Après lui ya Kanambe, lui waza kabla azongi suna Zamba, azongi suna Tanzanie, aketi na Tanzanie, akombi na Dar es Salaam, nde mama ya Joseph Sikoyo,
Moi, c'est Christopher Kanambe, Marcel Katerebe. À comment rappeler moi, c'est Laurent Désiré Kabila. Vous comprenez? C'est bon. Je sais que Bamso va se plater, Bambra Fabio va se plater, je m'en fous. Moi, je parle de l'histoire de mon pays. Hein? Parce qu'on ne peut pas falsifier l'histoire. Parce que patrie est comme vraiment en danger. Je ne vois pas comment vous exagérez. Yeah. Vous comprenez? Moi, c'est maman, le maman Joseph Wana. C'est comme ça que c'est pour cette raison que Joseph a grandi aux côtés de Laurent Désiré Kabila. Vous comprenez? Et Joseph faisait des taximen à Dar es Salaam. Après, on m'a donné à Longwa, à Kendako, à Zonga, à la Rwanda. Quand la foule de mouvement d'Afrique est venue, comme le Rwanda était rusé, il comprenait, ah, je te prépare, je te présente sur Laurent Désiré Kabila qui est moi, là, là, là. Mais Laurent Désiré Kabila n'avait pas trouvé le comble que Joseph ses frères, ses fasse appeler son fils. Hein? Parce qu'il y a Zana Balé qui n'a eu Moussoussou. Oh, Bazan Maman Moko. Ben, Laurent Désiré Kabila. C'est pourquoi il disait à Joseph, mon fils. Hein? Alors, l'air fidèle est né. Joseph à côté de la famille. C'est comme ça que Joseph à côté de la famille. Après, il a profité de ses positions-là jusqu'à préparer un coup d'état contre son père nourricier. Hein? Donc, ça t'a dit bien. Bah, coup d'état, on va préparer. Et ça, on va belé. Si tu as le coup d'état, on va rater. Et bien, ça, là, qui est entre Olengankoi, Zahid Ngoma, Namasas, en selle. On va quand même, on va boulot, on va quand même, 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 on va. Maintenant, Masasu azongaka na kichoza muzali beraka ye alidera pe Masasu bana diwa zaidi ngoma na ole makoi abisa Masasu vanda wana kolanda barande to se ba kei na ko prepara ko peso poste za la parce que na pardon Masasu était d'un côté congolais voilà avant il a mais Masasu va nous préparer son coup d'état mususu bwango mi bana Joseph. Mais Joseph, dans sa ruse, il avait compris que si on a présenté le coup d'État, on a Masasu, Masasu, il y en a un président de la République. Pourquoi? Parce que Masasu, d'abord, il y a un chef qui est chef. Dans Afde Bazouer, Masasu était le chef. Masasu était même le chef de James Kabarebe. Alors, Joseph, dans sa ruse, il ne peut pas gagner confiance, il n'y a pas Laurent Désiré Kabila. Il y a Laurent Désiré Kabila, non. Masasu, on ne peut pas un coup d'État contre toi. Bon, bah ça, il va m'en parler. Joseph avait tous les données, n'est-ce pas vrai? Joseph a pensé que Joseph avait la service de sécurité, renseignement, attendez, non, c'est vrai, mais ça ne se prépare pas pour l'État contre lui. Dans l'attentat, Joseph a s'est préparé Nani à Lamba, son homme des mains. Le numéro de la cour de la militaire. Il m'a s'est préparé à procès à Masasu, à qui on a empoué tout ce qu'a tué Masasu, pas bon, Masasu. Il n'a pas tout ce qu'il a dit à Kouana. Alors que, pendant ce temps, jour mandat à Clinton Zogan à Kusila. Alors que Clinton a l'obaka qui, avant mandat à ici, les femmes trouvaient solution pour le Congo. Alors les appels se multipliaient dans l'ambassade. Il faut pas bon malheureux de Kabila. Parce qu'il faut, il faut qu'on accepte. L'homme aimait son pays. Alors qu'il a changé le comité. Ben, on ne faut pas changer. La recette du Congo, c'est pour les Congolais. Il a dit, je ne trahirai jamais ma patrie. Alors, Joseph, avant notre coup d'état, c'est quoi? Maintenant, on a handicapé. Mais maintenant, ça l'a ensemble été. Ça veut dire que l'Occident miroité et dit le pouvoir. Et derrière ça, le coup d'état en dengue. Joseph a aussi fait en dengue. Mais Eddie ne savait pas ce que Joseph faisait. Tandis que Joseph savait tout ce qu'Eddie Capen faisait. Parce qu'en ce moment-là, l'Occident préparait maintenant Joseph. Pourquoi va qu'on préparer un fils, même s'il est fait à l'adoptif? Comment on prépare mon papa? Parce que bah, il est bien qui? Bah, il est bien. Que ces garçons ont de la haine. Laurent Désiré Kabila, papa, naïe.
Donc on utilisait facilement la présidence de la République. Ah bon, on va pas naïf. Les autres ont fait le coup d'état. L'air va salir coup. Paf. Les 20. Les 20. Pardon, les 16 janvier. Mandat qui nous donne ici les 20. Ouais. Alors que les 20, Laurent Gabriel a préparé, il faut qu'il y ait un sommet à francophonie. Et ça, il prévient à Cameroun. Joseph a dit Laurent Gabriel à l'Oumbacha, il a dit papa, qu'aucun n'est à Cameroun, tu vas au Boumaïo. Même si à l'Oumbacha, tu n'es pas sécurisé. Zonga a parlé de marbre. N'est pas sécurisé au mieux. Alors que Joseph a dit qu'il a dit qu'il a préparé coup. Il a dit qu'il a préparé coup. Il a dit il y a un commando qui était préparé pour qu'on parle de marbre. Pour qu'on parle de marbre. Et ce commando serait préparé par quoi? Par les USA. Par William Swing. C'est long. C'est comme ça que les gens qui veulent aller à qui n'est qu'ils sont Cameroun. Ils veulent aller les 12 à rien à l'Oumbashi. A rien à Kinshasa. Avant de parler de marbre. Pendant ce temps, au même moment, Joseph a fait libérer Sifa Mahania, sa soeur d'identité mère. Sifa Mahania est dans la prison. La prison centrale de Makala, centre de santé de l'éducation de Kinshasa. C'est vrai ça? Oui. Sifa Mahania était en prison. Mais les faits sont vérifiables. Bakotou Nanani Kelly, Dido Kitungwa, qui était directeur de la prison. Hein? Le journaliste va tourner. Les faits sont vérifiables. Sifa Mahania était en prison pour avoir empoisonné le Renzer Kabila. Sauf qu'il y a une interview à Roland Zéry, par conférence de presse de Roland Zéry Kabila, Moko, l'ambassadeur Bazalaki, le ministre Bazalaki Koto, a expliqué le ministre. S'ils continuent à corrompre les femmes, on les expulse. Parce que ils avaient tenté d'abord de corrompre Tchalamoana, ça n'avait pas tenu. Parce que corrompre, c'est Sifa Mahania. Comme Sifa Mahania se sentait un peu. Abandonné parce qu'il vivait à Lubumbashi alors que Moussa avait deux femmes au palais de marbre. Si Famaya n'habitait pas le palais de marbre, si Famaya Kout n'a parlé de marbre après la mort de Laurent Désiré Kabila, Azaï est en prison. Laurent Kabila ne voulait pas qu'il fasse la brouille. Presse, d'ailleurs, la presse congolaise avait écrit, la presse écrite avait écrit que Laurent Kabila est parti au soins médicaux en Suisse. Ça fait un peu de bruit, mais Laurent Kabila n'a pas la brouille mingité pour la Sifa. C'est alors qu'après la mort de Laurent Désiré Kabila, il y a Sifa, Joseph Zouakaye, il est en prison. Avant les 16, il est en prison. Quelqu'un qui tombe, il est en prison. À quel moment il est à Lubumbashi? Après la mort de Laurent Désiré Kabila, Sifa a déjà préparé. Aye, après, il a dit Joseph, il est un peu comme ça. Il est un peu sorcière. Salon. Cette femme doit être poursuivie pour la haute trahison. Il y a le hasard, maman, Joseph, t'es. Ah, ça m'a mal, Joseph, t'es. Vous en comprenez? Mais c'est grave cette histoire. Il faut te dénoncer, mais l'autre va comprendre, pas comprendre. Non, que autre chose qu'il y a des machos, on a pas dit, tout ça, c'est faux. Il faut passer à la pétition, même, je ne sais pas où tu vas. Hein? Le 15 janvier, Joseph avec un lobby, bah, on a dit, Laurent Zegabé, le 16. Joseph a désarmé toute la garnison militaire de Kinshasa. On va lire ça sous les vents, le soir du 15, la nuit du 15 au 16. Donc le soir, le 15 mai, des années vont venir sur les soldats. Nous avons maintenant un combat qui va sous les vents, soldat, président, chef de la banque, des années vont venir. Après, à vue avion, à quel Lubumbashi. Donc, un alibi pour s'innocenter. L'air Mouzia Koufi, Laurent Désiré Kabila Koufi, le 16. Baramoko, général Chirunze, c'était Zimbabwean. C'est lui qui était le chef d'état-major général interarmé. Aden Joseph, tu peux maintenant rentrer, le Baoba est tombé. Baoba qui l'a lancé avec un commando est entré là-bas. Nous t'en avons envoyé 1000 motards. Nous avons envoyé inter, Bakota en inter. Ils ont passé, ils auraient même passé une nuit à l'ambassade des États-Unis. L'année du 15 au 16. Après, il a investi dans la chambre, dans l'appartement de mon père. Il n'y a pas de chose à faire. Il n'y a pas de parler de marbre. Il dit qu'il a dit à la garde que non, il faut fouiller. Ce sont les invités spéciaux du chef de l'État.
de ma cosa vanguana, basé dans l'arme à l'angle automatique. Bamon dans le Kabila, Babima, Minimotazo Bango, a tiqué par la beach, la traversée, la rapide, la Kimbraza. Monsieur a compris. Pourquoi Laurent Zegabla les avait reçus? Joseph Edik a peine insisté tous les jours, chef recevoir Bango, ce sont des terroristes, ils vont tuer Kagame, Museveni. Laurent Zegabla, il demande combien? 5 millions de dollars. Laurent Zegabla dit 5 millions de dollars. C'est bon. C'est trop. Mais tellement ils ont insisté tous les jours, jusqu'à ce que l'enterre à lui, non, ça va. J'ai quand même le recevoir dans le Kabango. Ben, les 16, ils étaient contents. Ils vont parler d'état les 16, à le recevoir toi. Ils ont tiré sur lui. Alors, les 16 Joseph Azuzonga, il dit qu'à peine à Kangi frontière. À Kangi aéroport, à Kangi beach. Il ne voulait pas Joseph Azuzonga. Donc, on combinait Joseph n'a dit qu'à peine. Parce que l'attire à dispositif n'a plein. Mouton qui t'a zaté. Joseph a dit si Gérald Chirunze va chez le général Luecha. Comme Luecha pensait que c'était. Et dit qu'il avait tué Lorenzo Kabila, Joseph Fazan qui est innocent. Même moi, au début, je pensais que c'est Joseph Fazan innocent. Hein? C'est après ma recherche que tu comprends que Joseph Fazan est dans le coup. Alors, lui, c'est un qui n'a pas de repos. Lui, il va se dire, mon nier, Kakaba, lui, oh, Kambo, Kambo, le grand-père. Il était trop vieux. Kambo, Kaba, non, musée, non, musée. Ok, il dit, allez, vers ces histoires. Bah, il dit, Joseph Fazan. Il est 16. Il est guéré, bah, parce que les réunions à Oyuwa, Joseph a bien arrivé à ses filles. Jusqu'à ce que Joseph a installé par soi. Appuyé aux États-Unis, Belgique, l'Angola, les Zimbabwe. T'as la carte, t'as la fait. Mais le rang de la Koufi, comme l'Angola était dans les coups, a bénéficié de la mort de sa vie. Regarde un peu pendant tout le temps que Mugabe était au pouvoir. Amérique a l'impression que l'Occident va dans la Grande-Bretagne va dans la malgré le régime de dictatorial. Donc tout le monde devait se retrouver en contrepartie. Il y a mort à l'Orange de Kabila. Vous avez compris? C'est comme ça. À quoi ça a été ici? Il n'y avait même pas un procès qui était préparé pour sur l'assassinat de la vérité sur l'assassinat de l'Orange de Kabila. Le procès a été prévu. Et pourquoi pas organiser le procès voilà. C'est parce que les Bakarunda, les rounds de Katangé, les tribus de Kapente, va constater que va rater ce que vous avez présidence. Va comment vous préparez ce coup d'état contre Joseph. Et va nous savoir nous préparer en quoi finalement Mahongo. C'est le conseiller, il y a Joseph, Azaki Nani, Azaki chargé de l'année à ce moment-là, qui c'est Maître Mbouzi. Maître Mouindé et Bissa Joseph, tout ça la commission d'enquête sur l'assassinat de Laurent Zéré Kabila, tout le monde. Le cas de Baboumara, le Libanais, pour s'il y avait 11 Libanais qui étaient tués dans cette affaire. Nous avons comme on a dit qu'il y a peine, le général Yav, le colonel Hilaire, le baron Souakena dans la prison, le monsieur Bakoufa, il y a des déjà. Si on a dit bien, tout ça, c'est qu'il y a condamné à la mine de la Karunda. Vous comprenez? Oui, pour la Bango, c'est que l'on n'a pas à couper les 16, Rachim Tabouma qui est histoire pécile. Tout maintenant, qui se bat, ça, la attention. Pourquoi, premier anniversaire, Laurent Zéré Kabila, manifeste avec les 18 pour l'année. Laurent Zéré Kabila est mort les 16. Mais la question, c'est la manifestation, il y a premier anniversaire, mort à Laurent Zéré Kabila, les 18. Parce que pour Joseph, il faut que l'on soit dans la propriété de Zimbabwe. N'eût été moi, mais le tireur congolais va que Laurent Zegabré est mort le 18. Quand j'ai tenu ma conférence de presse à Kinshasa, le 15 janvier 2002, c'est moi qui ai dit que mon père n'est pas mort le 18, il est mort le 16 dans son bureau de travail. Et la tempête des tropiques, il y a Alexis Moutan, des journaux de Bossa au publié, ma lettre ouverte. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'invendu. Je n'ai été que ma qui partout, ma copine m'a fait duplicataire. Ça fait beaucoup de bruit. Maintenant, arrivé le 18, dans son discours, Joseph a reconnu que Laurent Zéré Kabila est mort le 16. Mais pourquoi ça le discours? Pourquoi je disais que c'est chômé? Le 16 n'est pas chômé. Vous comprenez? Cela veut dire que le procès de Laurent Zéré préparé, il va prendre Rachida pour Laurent Zéré Kabila, il sera payé sur les cabons. Vous comprenez?
C'est un peu ça. Cela veut dire que même si, bah, aussi, les Français disent que mentez, mentez, il en reste toujours quelque chose. Il en reste toujours quelque chose. C'est un peu ça. C'est bien compris. Si on va dans cette logique, vous ne trouvez pas que votre père est le seul responsable de ce fléau que connaît la RDC aujourd'hui? Non, seul responsable, non. Mais il a une grande part de responsabilité. Honnêtement. Comment? Parce que les Rwandais sont rentrés. Après, ça va rentrer chez vous. C'est fini avec l'opération militaire. Les Rwandais sont rentrés. Mais les Congolais, bah, ils sont dans l'alliance, dans la RCD, dans la partie. Parti politique, parce qu'il y a une guerre contre le président Kabila. La RCD. Le Congolais va ça la MLC. Va ça la guerre contre le président Kabila. C'est ce qui a affaibli le président Kabila. Hein? Mais la plus grosse erreur que le président Kabila a commis dans sa vie, c'est élever un Tutsi rwandais, Joseph Hippolyte Kanembe, jusqu'au rang du général-major. Et c'est cette bêtise qui l'a conduit à la mort, si on dit la vérité. Vous voyez, il a oublié qu'il avait même tué le père de Joseph Kabila, de Joseph Hippolyte Kanembe. Vous comprenez ce que c'est? C'est ça l'erreur de Rwanda Kabila. C'est ça la vérité. Voilà tout. Okay. Pouvez-vous nous parler un peu de vous-même? Qui est Étienne Taratibou Kabila? Taratibou Étienne, c'est le premier de tous les combattants. Comme on dit, Roya Chuma. C'est ça, Étienne Taratibou. Si on parle de tous les combattants, c'est moi qui ai commencé les combats. Contre Hippolyte Kanembe. Les gens font un peu de la confusion. Je suis le premier à commencer ces combats. 2001. J'ai contacté tous les journalistes. Tout le monde a été répété. Ma lettre ouverte. J'ai parlé de l'occupation. On ne peut pas laisser ces petits Rwandais nous diriger. Taratibou, pour commencer, c'est un combattant. Né en Tanzanie, en exil, dans un camp de réfugiés. Vous comprenez l'esprit. C'est pourquoi je dis Roya Chuma, comme mon père. Mais j'ai grandi à Kalemie. Tous les Kaleméens me connaissent. Ce n'est pas que oh, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas connu, on peut chercher, voilà, ses parents sont là. Non, allez à Kalemie. Allez à Kalemie. Ma mère s'appelle Marie-Françoise Kiza, Kabeja Punda. Très connue à Kalemie. Dans leur début avec mon père, 63, ma mère était monitrice. À une école qu'on appelait Sainte-Marie, aujourd'hui école Bakita, c'était une école primaire, une école conventionnelle catholique. Elle donnait cours là-bas. Après, elle est allée faire son stage, elle était avec Laurence de Kabila, mon père, à ce temps-là. Elle est allée faire son stage de pédagogie en Belgique, quand les autres sont trois. À son retour, elle était acquise toujours par son fiancé Laurence de Kabila. Après, Laurent Zekavel était qui était devenu le directeur de la radio Nord-Katanga. Comme il n'y avait pas assez d'intellectuels dans la zone, mon père avait pris ma mère comme journaliste. Là, elle était déjà devenue directrice de la même école, après son stage de pédagogie en Belgique. Donc, ma mère donnait l'information en français. Et mon père donnait l'éditorial. Puis l'information à Kilobakati. C'est des Valobakati, nous sommes très majoritaires là-bas. C'est près de 80% des Valobakati. Tu comprends? Alors, il y avait aussi Boudou Moujin, le cousin de Rose, qui était là, à Kalemie. Il y avait des données Kassongo Kabwa qui était aussi à Kalemie. Il y avait Étienne Kifwa Moujin qui était à Kalemie. Donc, des données Kassongo Kabwa. Et Étienne Kifwa Moujin habitait dans la maison de mon père, en table avec ma mère, avant que je te botte.
Akali, Baravana Ruth Makala. Quand la guerre a commencé, la guerre de l'Angleterre a commencé, ma mère nous disait, nous racontait l'histoire. Elle voyait comment il y avait d'attroupements chez elle, sur la route Makala, beaucoup d'attroupements. Elle disait à Laurent, pourquoi tous ces gens ici? Oh, il disait, non, Françoise, dans peu de temps, tu ne verras plus. Sans qu'elle dise que nous les avons préparés. Elle dit, Françoise, dans peu de temps, tu ne verras plus. Parce que Zoya, on se rend à ma mère ne comprenait pas. Ça qui dit, c'est comme ça, la famille n'a rien. Comprenez, c'était l'aîné de sa famille. Guerre et bandit, bah, c'est tout que, oh, comme à la on disait tout le monde, les moulés, après, on a dit non, les gens voulaient faire, c'est loin de Zéré Kabila. Ma mère nous a dit, il y a photo, là, bon, mais ça va, on va à la toilette. Après, ma mère a fui avec sa famille, bah, qu'est-ce qu'on a dit. Dès ma commune à Tanzanie, dès ma coutane, ils sont en train de Zéré Kabila en Tanzanie. Moi, je suis en Tanzanie, à Kigoma. Mais je n'ai pas grandi en Tanzanie. Après 2 ans, ma mère a montré que, ah, non, en tout cas, je ne vais pas souffrir de ça à l'exil comme ça. Il faut que j'aille entre mes parents. Mais la région ne va pas ramener. Comme tout le monde savait que Marie-Françoise, comme on appelait Marie-Françoise, c'était la femme de Laurent. Elle était maintenant sous les menaces. Après 65, 66, tu vois, 67, 68, elle était maintenant sous les menaces de mort. Pardon, après, elle a raison qu'ils étaient déjà en 67. Mouto est déjà président. Même guerre en 1965, Mouto a eu le pouvoir déjà le 24 novembre. Ah, deux guerres, ben, les bolets, les 67, 68, maintenant c'est le cas. Alors, ce sont les amis de ma mère qui le disaient. Ce que l'on a en paix, en tout cas, bon, il faut que tu en aies une paix. Pour que vous ayez un défaut au côté de la RNAP. C'est comme ça, vers les années 73, maman a eu un enseignement à la RNAP, à quoi il fait candidate, il y a une députée. 73, si je m'abuse, elle est déjà députée nationale. Je me rappelle 74, on ne vivait plus à la cité. Moi, j'ai grandi à Kapulo, Kapulo à Balim. On ne vivait plus à la cité, à Kapulo à Balim, on était allé maintenant en ville. Parce que les papiers, c'est bah, magasin, bah, grec, hein? Avec l'histoire des organisations, ils sont comme ça. Vous voyez un peu. Voilà, tout ça qui va. Et maman, bah, comme beaucoup de paix. Mais dans l'autre temps, on voit les deux noms qui viennent. Hein? Très rarement, nous voir. Après, les années, les qui, mandat ici, maman, à côté, a commis mon pape, à Kalemi, après, Balobi. Non, elle n'est pas katangaise, elle a Chabienne été, comment elle a eu côté à Chabienne, côté, parce que son père est du Kivu. Ma mère est au bord du Kivu. C'est pour ça que ma mère a fait une imitation, elle a mis en Ouvira. Elle a mis en Ouvira. À ce moment-là, moi j'étais maintenant à Lubumbashi pour les études. Après, on m'a donné mon retour, elle a dit non, ma mère de côté central, elle a fait un moussalaté. Il faut toujours qu'il y ait Sika, qu'il y ait base. Pour que ça soit dans un comité central de l'impère. Ma mère aussi avait présenté sa candidature. Elle était passée. C'est comme ça, en 1988, maman, à Kessanini, à Kinshasa. Et plus tard, je suis en région de manière naïve, à Kinshasa. Vous comprenez? C'était un peu ça. Il y a un tocola qui bongo. Et puis bon, l'air, nani, afdéléé, écoutez, il y a Kinshasa. Moi, j'étais coordonnateur chargé de renseignement à la présidente de la République. Moi, j'ai travaillé à Kinshasa. Sur la ville de l'Équateur, des bureaux chez Zagna, immeuble de Babenga, immeuble d'Ayou, même si on a eu ensuite immeuble d'Ayou, il en a évité. Sur la ville de l'Équateur, on a bombé. On a fait dans le cabinet de l'ambassadeur Freddy Moulongo Moulunda Mukena. C'était lui mon chef direct. Et moi, j'étais le coordonnateur chargé de renseignement. Bah, tout, les faits sont vérifiables. Bah, qui est maman à Freddy Moulongo? Bah, c'est Bélé à Kinshasa. Parce que ça va bien, ça va bien, parce que là c'est pas que tout. Après la mort de mon père, n'a-t-il qu'un an ça? N'a-t-il qu'un an ça, n'a pas un an là? N'a pas un an là, n'a pas un an là, n'a pas. J'ai commencé ma lutte depuis 2001. Ma lutte, je l'ai commencé depuis 2001.
J'ai contacté les journalistes bah comme Bazo Banga. Voilà bien un régime à jouer sanguinaire. Togo Koufa. J'ai vu Freddy Tshilumba. Freddy Tshilumba d'ailleurs mes mangas et pas comme un Mike Mukebai. C'est moi qui avait connu Mike Mukebai. Freddy Tshilumba qui correspondait à la voix de l'Amérique. Mike Mukebai, si je ne m'abuse, c'est un soft de fumée. C'est quelque chose comme ça, si je ne m'abuse. Alors, bien sûr, je peux publier. Mais pourquoi publier l'article là? C'est grave. Ma lettre ouverte. Quand j'ai parlé de Joseph, il n'est pas congolais, n'est pas le fils de mon père. Tout le monde avait peur. Namona va directer la publication à Nini, journal Les Phares, le journal rouge qu'on appelait le journal de l'opposition. Namona directeur de la publication du journal La Tempête, Le Potentiel. La publier de l'autre côté. Nous vous promettons quand. Nakenda ou Mona, Nakenda journal La Tempête des Tropiques. Dépassant la Koutana, Raymond Laoula. À directeur de la publication. C'est Raymond Laoula qui me dira non. Etienne. Et loco, ils ont publié au Kangabiso. Ils ont été publiés. Kende Otana va organiser la défense des droits de l'homme. Batouana va organiser la conférence de presse. Ils ont organisé la Bengi, ils ont été publiés l'article. C'est comme ça, la longueur qu'on a pas avec l'idée, pas avec la voix de la voix de sa voix pour les droits de l'homme. Nakoum, on a expliqué mon problème, Nanga, Ota, Langa, ah, est-ce que ma commande est la seule. J'avais beaucoup, Nakoum, on a mon président. Deuxième jour, ça y est, tout le monde est président à Bango. Quand j'ai vu Chebea, il a expliqué, il a dit, c'est vrai que ça va, qu'il est au Bengal. Il a dit, c'est vrai que ça va. La voix va bien à dire. Un mois après la Kéi, il a dit, ma question. Au mois d'octobre 2001, novembre, décembre. Si je suis secrétaire, je suis en train de dire, oui, pour la Nini, si le roi va accorder la conférence de président, il a dit, il va faire l'investigation. Ah, tu peux dire que tu vas. Il faut te vérifier. Est-ce que ma capote est solo? Est-ce que vous avez seulement la Lorenz de Kabila? Il faut te vérifier. Le frère, c'est un peu n'importe qui. Avec un mon amour, je vais faire un frère de personnes. Non! Ils ont mené des investigations. Fin décembre, Frère, tu vas aux États-Unis, explique avec Nina. La question est de dire, ma capote est le magasin solo. Est-ce que tu peux tenir le conférence de presse? Je dis oui. Ça va. Tu peux préparer en gros. Dans janvier. De te préparer qui date le 15 janvier. Alors il n'y a pas encore d'effectifs au lobby. Le 15 janvier, on va faire des presse. Comme ça, tu as passé mon lobby, tu vas avoir le 18, il y a le gars qui fait le 16. Nous sommes. Direct ça, on va faire des presse. Tu vas en exécuter, tu vas faire communiquer. Non. Bazo, bien, on va jouer sur le téléphone. Tu es à côté, il y a une conférence de presse. Bazo, il sait qui tient la conférence de presse. Parce que tu es à côté, il y a un bail. Moi aussi, j'avais quelques numéros des journalistes. Il y avait plus de 15 journalistes. Plus de 15 journalistes, je vous dis. Dans la voie des sanctions. Les 15, j'avais 2002. Mais tout le monde avait peur de publier. Les 16, jamais, ce n'était pas chômeur. Un seul journal qui a publié, c'était La Tempête des Tropiques. Il y a Alexis Moutan. Il n'y avait pas d'invendu. Trouble partout à Kinshasa. Le journal noir. Moi-même. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais été très barbu, il a dit que m'a fait bélé, ce qui est bélé. Mais là, ça, on fera des presses. Si on fera des presses, pas pour laquelle on s'est rasé. La carte m'a dit, qui peut se raser, la souki est bélé, la carte souki, m'a défait si, la quai, la victoire, la zota là. Comment vous avez ça, le commentaire? Le journal, il y a un assez. Bah, on va entendre la titre de carte. Mais j'ai lâché le dépôt. J'ai pas une autre nouvelle, j'ai caca, 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 caca. Il tient à Poitiers, c'est un Rwandais. Merci à l'imoua, Bakouzoué, Damsol, Bassi Bakangazana, Namokanzawa. Rue à Chouma. Bravo, Nanga. Moi, j'ai mérite des fleurs. Ce que je veux dire, c'est que Rwandais, c'est moi. Ce que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est Rwandais. Il fallait que quelqu'un de la famille a dénoncé le quoi. Donc, j'ai mérite des fleurs. Mais on a tout ça, c'est héros vivant. Journal Ebimi, le 16, Isaac Chomete, le 17, Chomé, anniversaire Lumumba, le 18, Balbaka, le 19, 4, 5 jours, journal est publié. Tout ça, Banga, c'est ce que. Et tel Kabila recherché, tel Kabila de la communauté du pouvoir, il s'est reporté disparu. Oui, Minim. Baloukanga, service de sécurité, Mobimbazo, Monangate.
Mais les amis, tu vas nous en avoir vous encouragez, vous en mal, continuez, ne pas vous caillou. Oui, Joseph a eu ça, Zoé. Celui qui était chargé à mission au Bomanga Zoé. Bapé, ça va en mission. Ce qui m'a kanginga, balle dans la tête. Bas à celui qui a coupé ma kanginga photo. Bâti un autre dans un sac, bâti un barre à voir la fleuve. N'a s'en batté, les messieurs Zaribon. Les militaires ont tout le monde sur la banque. C'est ce qui la banque. Sauf que vous avez un terme à B, vous avez un terme à B. Bakenda tire pas Banganga. Nous avons un terme à Bangote. Et qui chasse ça? Pour Bakanga. Bah expliquez Bangoke. Etienne, tout le monde a été dans le miroir. Assez à Limo, assez à Katis, Nazaji na rompe Forescom. Na likolo na imeble na vani. Ambo. Webe, il faut jamais kusaka na tena magila ya Yesu. Le sang de Jésus. Il faut jamais se jouer le sang de Jésus. Je ne savais même pas prier à ce temps-là. Mais là-bas, na ko gêné, na ko prier. J'ai trouvé un papa qui m'a dit, il faut faire le jeûne d'Esther. Quand j'ai fait le jeûne d'Esther, j'ai vu Jésus. Jésus m'a apparu. Je ne savais même pas prier. Il m'a dit, n'aie pas peur, tu vas voyager. Sauf que nous avons vu l'eau, c'est le sang de Jésus. Nabima, na Kinshasa, pendant que nous avons vu nous avons vu que nous avons vu j'étais là à Kinshasa. Nous avons vu que 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 nous avons vu Navanda la Nicolas, il me voit dans l'autre, il y a un produit à Foucault, pour qu'on paie, pour qu'on ait un peu de mal à qui. Vous comprenez? Il y a un flux du sud, il y a un terrain. Moi, je suis de nature sombre. Vous comprenez? Protégé par le sang de Jésus, Nabima, la traversa, fleuve, la quai, la commune de Plaza, la vie, avion, paf, directement, flux du sud, la commune de flux du sud. Et j'ai tenu ma seconde conférence de presse dans cette cité. Vous comprenez? D'ailleurs, il fallait tourner la petite sœur aimée. Voilà, parenthèse mon très important. Il fallait tourner la petite sœur aimée, aimée Kabila. Baloua aimée à la Kabila. Tout cela tombe la camoufle dans la Kabila. C'est quoi ça? Bako Bazabana. Quelle famille? Aimée. Elle est vivée où? À Banda. Azobana na camarade nana. Augustin Kivuka. C'était un ami à moi de longue date. L'air à Bali aimé, tout comme plus familier. Yakovana aimé, tout comme plus familier. Alors quand je partais, la bande de na bandal, na haute tension. C'est quoi ce bandal, bandal haute tension. Quand je partais là, je voyais mon ami Augustin, je voyais aussi ma soeur. Toi, papa, tu es un homme. Augustin, tu es un homme. 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 Tu es un c'est comme ça que tu es un homme. Mais pas la suite. Aimé a boyé Augustin. A un homme. A es un homme. Mais c'est d'une façon étonnante. C'est pourquoi Nazoro, qui ça c'est quel genre de famille? Même ce Zobanga Joseph, mais pas jusqu'à ce niveau-là. Bounien de Konabino aimé. Aimé Kabila. Barakuda, Ale Bamba. Ale Yamba Bamba. Le dit Ale Barakuda. Botunaye. Mbongo Ale Bala na enane liango. Oui, Moutalia Mbongo Ale Bala aimé. Tu es donné qu'à son vocabulaire. Allez, par contre, la personne ne va pas dire de façon. Mais Aimé Akoufi, ces fameux pasteurs de Mugali, arrivent à la Kabila. Mais c'est révoltant. Quelle est la responsabilité au niveau de papa, aux hommes à moi, à la Yom Tolek Mongalibal? Aimé est mort pour la République. Oui, Aimé va vomir pour aller. D'abord, c'est un mec qui était collé avec moi. Il y avait Aimé et John. C'était mes meilleurs amis. John me disait, ah, mon coup, il y a eu une place au Kimelosa qui n'a pas été là.
ne vous êtes pas comme moi, vous êtes au climat. Et mais, avec très chaude, des sangs chauds, des sangs chauds. Ni de trombe à banazan nango, tout le monde. Et mais, abîma, et mais, parti jusqu'en Tanzanie. Moi, je suis un peu maman, je suis un peu moi, Joseph. Qui m'y s'est embarqué, je suis un peu Tanzanie. Pour moi, je suis que Joseph faisait un peu de mon souffle à Bazakuna. Je suis un peu de mon souffle. Et même après ça, on fait le Chebea, qui dit en Ewana. Parce qu'il prouve que Joseph n'est pas congolais. Oui, bien, les Noirs disent que les Blancs sont mauvais. Les Blancs aussi disent que les Noirs sont mauvais. Pendant tout ça, la même odeur corporelle. Il en a de même de Tutsi. Tout ça, la même odeur corporelle. C'est pourquoi on va où tout le monde va soit à le cas à l'oubli sur le bas, on va où. Moussa va dire où ça Tutsi. Oui. Tout ça, même dit en été. Alors, et même ça qui est le coin. Et même tu as ça là tout. Et même elles ont fait la pression pour trouver un euro. Et même ça, c'est pour nous. Et même, elle disait tout clairement. Bonjour, la vérité. Et même, elle a dit qu'elle a bombé maman, Marie-Françoise Guise. C'est aimé. Après la mort de Aimé, Ndé Fleuret Chebea, a dit maman, elle a même la bazar. En 2009, après fin 2009, maman qui est née soit en exil. Jusqu'aujourd'hui, la vieille est en exil. Mais ça fait mal, non? Écarter une vieille dame comme ça de ses enfants, ça nous fait mal. Quand on se bat pour les pères, comme ça, on a la blague, oh, boy, na boy, ba na mouze, ba ça, imagine toi. Augustin m'avait dit ça. Il m'avait dit, tiens, le combat que tu mènes, le rokobi, on ne connaît pas quoi en ganayo. Bangonde va kuzo mbongo, kuzo mbongo te. Moi j'ai dit à Yogi, ce n'est pas ça mon combat. Mon combat c'est de libérer mon pays. Le pays n'est pas resté sous la domination rwandaise. Je ne veux pas continuer à nous mater. Ne pas prendre notre pays en otage. C'était ça mon combat. Bien que j'ai parlé famille, mon combat c'était de libérer mon pays. Et Augustin Alouba qui n'a rien dit Salema. Mais Augustin lui-même a connu des menaces de mort. La maison d'Augustin a été perquisitionnée parce que maman n'a pas. C'est comme ça que les gens se rendent compte que Floribert Chebea a préparé document wana. Il y a massacre à Babouni du Congo, il y a assassinat à Laurent Désiré Kabila. Il y a un document wana, il y a un crime à Joseph contre l'humanité, il y a un crime à Joseph qui a préparé à l'Est depuis Babana qui a l'Afdel. Fleuve Chebea préparé pour un moment la Coupe pénale internationale. Des réseaux à vous marier, Fleuve Chebea. Kaka yé mou kaïda, et tiens de Malibanda. Kaka yé da mamana, et mamana yé kimi. Vous comprenez? Mais, sans sérieux. Sans sérieux, sur le Congo, oh, ouan, azamouana, Rosé Kabila, te, oh, bon, abonne, abonne. Bazana monopole, te, yakolo babangonde, bana Rosé Kabila, bam, soza, Rosé Kabila, bazana monopole, anate. Il faut être sérieux. Voilà tout. Merci pour nous avoir accordé le temps, M. Taratibo. À la prochaine. C'est moi qui vous remercie.